Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo donc du coup que vous m'avez demandé de faire des tests et de tester les dinosaures de Path of Titans, les différents dinosaures. Alors pour l'instant, on va faire les carnivores. Dans les carnivores, j'ai ma petite idée, évidemment, ma petite idée parce que pour faire un parallèle avec The Isle et tout ça, on va faire le Ceratosaure. Alors il y a plusieurs types de Ceratosaure, il y a le Dentisculcactus. Il y a le Nazi Cornis, le Mani Cornis et lui. Bon, on va prendre lui. Je vais vous proposer quelque chose pour le prochain épisode. Du coup, c'est vous qui allez choisir. Par contre, hein, notre rôle, c'est moi qui vous propose ce que vous allez choisir. Vous avez le choix entre le Concavenator, le Metriacanthosaurus, lui on l'a déjà fait, le Spinosaurus et le Suchomimus. Et je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Et lui, j'ai hâte de l'avoir. Donc voilà, vous avez le choix entre ceux-là. Ben, choisissez et on fera une prochaine vidéo sur ça. Pour l'instant, on va tester le Ceratosaure. On le crée. On rentre dans le monde. Alors, Ceratosaurus. On va faire les cris. On va voir un peu ce que c'est. Bah, ça, c'est le cri d'appel pour dire salut, je suis là. Salut, bienvenue. C'est gentil. D'accord, discret. Cri méchant. Et cri de peur. Ok, on l'avait même pas entendu. D'accord, très bien pour ça. Ensuite, il y a des petites émotes aussi dans le jeu à faire. Par exemple, il y a ça. Voilà, il secoue. Il secoue comme ça, histoire de quand il sort de l'eau, s'enlever la boue et tout. Là, oh. Il s'étire, très bien. Là, il y a quoi? Ah, bah, c'est la même chose. Ok, d'accord. Super. Là, il y a quoi? Oh! Il y aura de la droite. Il y aura de la gauche. Ok, c'est pour checker un peu la bestiole. Et ici, il y a quoi? Il se gratte. Ok, il est mignon. D'accord. Bon, bah, il y a tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce Ceratos? On va tester la stam. On va tester la stab, alors je suis full perdu, je sais pas où je suis, hein, comme d'hab. Crawdad Creek, voilà où je suis à Crawdad Creek. Ok, bon bah écoutez, niveau stab ça m'a l'air pas mal. Hein. Niveau stab, il m'en a l'air d'en avoir vraiment beaucoup. Du coup, bah il saute, hein, je viens de capter, voilà, il saute. Bon c'est cool, il saute pas très haut mais il saute, il a le mérite de sauter. Il a qu'une attaque, mais un coup de dent. Voilà, le bon coup de dent. Est-ce qu'il met du bleed? Bah, je sais pas. Va falloir essayer de voir ça. Par contre... What? On recule un peu, gros. Hein. Ok. Est-ce qu'elle régène vite, la stam? On va se mettre comme ça. Bon, regardez. Ouais, ça va. Ça, en vrai, ça va. Ça a l'air pas mal. Et aussi, on peut faire ça. Comme ça, il est tout mignon. Bon, regardez. Fait dodo. Voilà, on peut se mettre comme ça. Je sais pas si ça régène plus vite la stab. Je sais pas. Peut-être que oui. J'ai pas eu le temps de checker. Et maintenant, vas-y, lève-toi, frérot. Maintenant, ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est le tester au combat. Hein. Tout simplement. Et en vrai, ce sera terminé. Ça va être des épisodes un peu courts. Hein. Hop là. Un peu court. Le but, c'est vraiment de tester le dino. Hein. C'est pas faire du gameplay. C'est voir ce qu'il vaut. Le checker un peu. Voilà. Comme ça, tout le monde le sait. Tout le monde est au courant. Alors ici, il y a quoi, là? Il y a une petite feuille verte. C'est quoi, cette feuille verte? On va essayer de faire un saut. Oh, ça donne... Ouf! Est-ce que je meurs? Non. Je meurs pas. Et par contre... Ah ouais... D'accord. Oh, mon Dieu. Ah ouais, par contre, c'est pas un nageur. Regardez ma stam. Oh, c'est terrible. Terrible, ce qui est en train de se passer. Et je vais mourir noyé avant d'arriver là-bas, là. C'est pas possible. Non. Chembo Cerato. Allez. Oh là là là, et c'est un caillou. Bon, c'est un caillou, il nage très mal. Ok, on le sait. On retournera plus dans l'eau. Je vais pas mourir noyé, mais pas loin, quoi. Ah ouais, je vais mourir noyé. Il coule. Là, c'est pas moi qui l'ai fait couler. Hein. J'appuie sur l'espace pour remonter, il n'y arrive pas, quoi. Ah ouais, voilà, mon Dieu, c'est terrible. Bon.
Ok, bon, ouais, bah, pour repartir là-bas, c'est mort, là, du coup. Alors, si je fais ça, et si je fais ça, est-ce que ça revient plus vite? J'ai peut-être l'impression que ça remonte plus vite, hein. J'ai peut-être l'impression. Je sais pas si j'hallucine. Mais on dirait bien. On dirait bien que ça va plus vite comme ça que comme ça. Non? Ouais, ça va clairement plus vite quand on est couché, hein. Ok, bon, bah c'est bon à savoir. Par contre, bah du coup, c'est plus dangereux d'être couché, hein, évidemment. Alors, il y a quoi là? C'est quoi cette plante verte là? Utilisez Weston pour amener vos amis à cet emplacement. Une fois qu'un ami est invité, ils devront retourner à l'écran de sélection de personnages et accepter l'invitation pour pouvoir être amenés jusqu'à vous. Il y a un temps d'attente entre chaque utilisation. Ok. D'accord. Bon, bah, c'est très bien. C'est bien, on peut se TP du coup. Il y a une pierre de TP dans le jeu. Très bien, comme ça, si on galère à se retrouver. Bah, on peut faire ça. On peut faire ça. D'accord. Par contre, franchement, l'emplacement Path of Titans, Alderaan Game, vous nous trollez un peu, non? Hein, j'ai comme l'impression que vous nous trollez. Parce que là où il est, voilà, si on en sert à tout, on coule. Si on veut rejoindre la berge. Alors. What? Y a un truc! Y a un crocodile! Viens là! Vas-y, on va se le faire. Je pense qu'il peut faire très mal. Vas-y, go, go bagarre! Il fait quoi? Il réagit pas, il s'en fout, je lui fais rien. Alors? Alors? Ça die? C'est dur comme combat. Voilà le croco. Facile. Facile en vrai. Hein. Sérieux. Voilà. Bon, il faut quand même pas mal de coups pour le tuer. Hein. Bon, on va le prendre, on va le bouffer tant qu'on y est. Tant qu'on y est, on va le bouffer. Alors du coup, oui, ce que je voulais vous dire avant qu'il arrive, Monsieur Croco, c'est il y a une carte. Il y a une carte dans le jeu. Bon, il y a une fameuse carte que j'arrive pas à ouvrir. J'ai essayé toutes les possibilités. Impossible. Mais j'ai trouvé une carte sur Internet. Alors, c'est tout simple. Vous tapez enfin, vous tapez Path of Titans Map. C'est le premier lien sur Google. Et vous avez la carte. C'est cette carte-là. Donc, comment on l'utilise? Comment on l'utilise, la carte? Elle est vraiment, c'est ça. Je déconne pas. C'est pas moi qui l'ai dessinée. Elle est comme ça de base. Du coup, en fait, tout ce qu'on peut essayer de faire, c'est essayer de repérer où on est là-dessus. C'est très schématique. Alors, vous voyez que ce lac, ici, avec l'île au milieu, elle ressemble à ça. Et bien, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller ici. Paf. C'est le lac où j'étais avec le Sarcosuchus. Voilà. On va essayer de faire ça. Donc, du coup, ça nous fait un bon chemin à faire là. Et tout ce qu'il y a ici. Et ici. Les merdes. Bah, ça sert à rien en fait d'y aller. Allez, on y va. Ok. Bon, bah, je crois que j'y arrive. Hein. Je crois que c'est ça. Hein. D'accord. Hein. On y est là. On a trouvé le gros lac. The Great Lake Keyeskhen. C'est super. Maintenant, faut croiser des gens. Il y a un truc là-bas, là. Non? Oh, il y a un triceratops. Enfin, c'est pas un triceratops. C'est un striogonimus. On va essayer de le fighter. Vas-y, je te bouffe. Tiens. 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 Vas-y, mais bats-toi. Tu veux quoi, là? Bats-toi. En vrai, il lui faut beaucoup de coups. Hein. Il lui faut vraiment beaucoup de coups pour le tuer. Hein. Il est tout seul, il fait quoi là? Pourquoi tu bouges pas? Vas-y, sors, sors de ta torpeur. Il n'y a pas de saignement, hein, sinon il y aurait des gouttes de sang. Ouais, je suis trop fort. Je suis trop fort, quoi. Vraiment, je crois que le Cerato, c'est mon dino. Hein.
trop balèze. Voilà, je dégage le truc tout mimus. Il est temps. Il est temps de les battre contre le sarcosuchus. Il fait quoi là? Il fait des réserves. Je vais aller croquer. Viens là toi. Non. Non. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, je le mets en position de combat. Voilà, c'est tendu. Je pense que s'il met un gros, ça va très mal tourner pour moi, par contre. Ça va très très mal tourner. Ouais, il tourne trop bien le bâtard. Ah bon, t'es trop lent mon pote. Il a un marche lente, en fait un marche lente il tourne trop bien quoi. Regardez ça. Mais c'est abusé quoi. C'est abusé complet. Ouais, c'est ça, fait le malin. Il m'a croqué. Oh, regardez toute la vie qu'il m'a enlevé. What the fuck. Oh, avec le bleed et tout quoi. Oh mon dieu. Non mais stop. C'est bon. Non, il va pas one shot. Oh, il y a des petits trucs là. Salut vous. Je vais vous bouffer. Voilà. Non. Le sarco il m'a croqué. Mais c'est le même que tout à l'heure. Non, je vais mourir. Je vais mourir. Non, je vais juste arriver. Oh là là. Oh. Ok, bon, le sarcosuchus, on a compris, il est fort. Ça va être la fin de la vidéo sur ça. J'espère que vous l'avez apprécié. On aurait aimé trouver d'autres dinosaures, tester les fights contre des trucs un peu à ma taille. Mais en vrai, voilà, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est le point noir du jeu. On croise vraiment pas grand monde pour le moment. On est que 50 sur les serveurs. La map est gigantesque. Donc ça, c'est un peu dommage. Pour résumer, le Cerato, très bonne stam, il régène très vite sa stam. Ensuite, bon, bah, au niveau de sa course, bah, il court plus vite que le Sarcosuchus. Donc c'est une bonne chose, on peut fuir cette horreur, cette engeance du démon. Ensuite, il court moins vite que le Maitriaque Raprodrozon et que les plus petits. Il court moins vite que eux. Les herbivores sont très rares sur les serveurs, donc bah, on peut pas voir vraiment que ça donne contre un herbivore, si on court plus vite ou pas. Mais je pense que contre lui, là, le Lambéosaurus, je me fais éclater. En soi, il a pas l'air très fort, le Cerato. Il a pas l'air très très fort. Il faut peut-être le jouer en groupe. Mais bon, selon ce que tu attaques, c'est foutu. Donc, sur ce, n'oubliez pas, dans les commentaires, de dire, en début de vidéo, je vous ai dit quel dinosaure je vous propose pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de dire lequel vous souhaiterez. Celui qui remporte le plus de voix et de commentaires, bah, ça sera celui-là. Et puis après, on refera ça pour la prochaine vidéo, etc., etc. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de jouer à ce jeu. N'oubliez pas le petit like. Hein, ça, c'est important. Toujours pareil, référencement, le machin et tout ça. Ça, c'est le business. Abonnez-vous. Pareil, business. Business is business. Et du coup, tchuss.